Mais attends, on parle de quoi là? Bah, on parle de tout. On parle de quoi, oh, oh. On parle de tout, oh. On parle de tout. Et bienvenue dans l'émission On parle de quoi? On parle de tout. L'émission qui parle de tout le monde. Aujourd'hui, mon invité est un artiste. Il fait partie du groupe Les Mélodieux de Babi. Allons le suivre. Fais-le Dieu. Ouais, mon frère, c'est comment? Là, il siphonne du New Look, siphonne de la nouvelle coiffure. Ouais, mais tu sais, c'est ça, hein. C'est quoi, comment on appelle la coiffure? Non, ça, c'est une coiffure révolutionnaire qu'on appelle le nappy. Ah, voilà. Il y a pas de souci. C'est comment? Mais qu'est-ce que ouais, c'est venu te surprendre. Aujourd'hui, tu es en direct de mon émission. On parle ah, de d'accord, il y a pas de souci, voilà. Ça fait plaisir. En tout cas, je suis content de te voir, mon frère. Ça fait plaisir de te recevoir chez moi. Ouais, tu vois, ça va la porte. Ça va un peu. Voilà, ouais, ça va pas. Ouais, là, je te vois dans ton quotidien, là. Ah oui, mais. Ah, même les tapettes, c'est des Versace. Mais c'est tu pas connais. Ah. Exact, dangereux le mouvement. Je suis là, préfère. Il y a mon binôme qui est sorti un peu, donc je profite un peu du. Ah, il est sorti. Ah, je pensais que j'allais vous trouver vous deux, mais non, c'est pas mais grave. Non, mais c'est pas grave. Tu sais, nous sommes des jumeaux aussi, l'un n'est pas l'autre. Tu comprends? C'est pas un souci. Donc, voilà. Le nom du groupe, c'est Les Mélodieux de Babi. Oui, qu'est-ce de qui Babi. Vous a inspiré le nom, Les Mélodieux de les Babi? Les Mélodieux de Babi, d'abord, comme nous sommes tout petits, nous sommes plutôt fans de la musique. Nous avons beaucoup écouté des artistes religieux, en tout cas. On partait à l'église et on a beaucoup aimé la mélodie. Aujourd'hui, on voit que les noms des artistes se choisissent. Pas loin, il n'y a pas trop de réflexion pour choisir le nom. Donc nous avons écouté des artistes qui nous ont beaucoup inspiré au niveau de la mélodie et que nous aussi nous chantons devant d'autres personnes. Ah mes petits, vous êtes mélodieux. Pour ne pas trop chercher, nous sommes appelés les mélodieux de Babi parce que nous venons d'Abidjan, nous venons de Côte d'Ivoire. Ah d'accord. Voilà, Awolowo est limité. Et les mélodieux de Babi opèrent dans quel style musical? Vous êtes dans un style bien particulier ou bien vous êtes ouvert à toutes sortes de musique? Vu que nous sommes très polyvalents, nous nous retrouvons un peu dans tout genre de musique. Mais notre devise à nous, c'est le coupé décalé. Ah, voilà, nous exerçons le coupé décalé, mais on fait un peu d'afrobeat, on fait un peu d'R&B, on fait un peu de rap. En tout cas, on se retrouve un peu dans tous les milieux, mais nous nous lançons précisément dans le coupé décalé. Ouais, ça c'est la vraie polyvalence, ouais. C'est pas du jeu. Mais c'est ça, c'est un talent inné et donné par le secteur. Donc, les mélodieux de Babi, c'est un groupe de deux personnes, c'est ça? Oui, nous sommes deux. Il y a Gratto le mélodieux, mon binôme, oui. Et moi, Joski Bayala. Le lead vocal. Ah d'accord, voilà. d'accord. Et on pourrait avoir un peu un curriculum vitae un peu de votre carrière. Oui, d'accord. Les mélodies de Babi, nous avons commencé en 2013. Avant, moi je chantais, on faisait carrière solo chacun. Ah, Gratto, lui, il était encore au Togo à Lomé, et moi j'étais à Abidjan. Je chantais. J'avais ma carrière solo et lui aussi avait sa carrière. Et nous nous sommes rencontrés lorsque j'ai aménagé à la cité verte. Vous voyez même là, il y a la pharmacie juste en face. Ouais, ouais. Quand j'ai aménagé, j'écoutais les sons de Gratto. En tout cas, il chante en langue, il chante en franc, une langue, un ethnie, pardon. Du Bénin, mm-hmm. Et j'ai apprécié sa manière de chanter parce qu'on retrouve l'Afrique, on retrouve l'Afrique même dans ses mélodies. Et moi aussi, vu que je suis beaucoup du côté R&B, j'ai beaucoup fait de morceaux comme ça. Nous nous sommes mis ensemble et on dit bon, pourquoi ne pas former un groupe? Et ça, c'était, je crois bien, le 21 mai, hein, en avril ou en mai, je crois, en 2013, nous avons fait sortir notre premier single intitulé Bonne fête, maman. C'est ainsi que la carrière a commencé. On a été beaucoup sollicité par des personnes un peu partout qui ont apprécié notre musique et voilà, aujourd'hui les mélodies de Babi. Voilà, comme quoi les mamans ça bénit tout. Oui, les mamans ça bénit et après ça les choses se sont succédées. Ah, on ne peut pas dire que nous sommes déjà au sommet, mais nous sommes sur le chemin de la réussite. Et vu qu'on prend en notre musique, on pense voilà, à que Dieu mette ça. Voilà, Dieu mette voilà, tout à fait, voilà. Voilà, et j'aurais appris que Via Gratto était aussi un ex-danseur
Les Toufan, le groupe Toufan. Oui, oui. Il a été leur chorégraphe. Il a été leur chorégraphe au Togo, oui. Parce qu'il y a Master Jazz qui connaissait bien. Il a bossé avec eux. Comme il me l'a dit, vu qu'il n'est pas là, il m'a dit que c'est même le groupe Toufan même qui l'a inspiré avec Papou du Togo. Oui, ouais, qui l'ont inspiré à faire la musique, qui ont fait qu'il a aimé la chose. Voilà. Il a été leur photographe, il a dansé avec eux. Et je ne sais pas si on peut suivre dans après l'émission, tu pourras écouter tu pourras voir le clip. Ah d'accord. Donc Common Made, voilà, Jacques Gâteau a tué les vrais pas de danse. Joël le mélodieux, c'est aussi dans son passé un élément connu dans le showbiz pour sa générosité, j'étais dans le milieu du boucan, voilà. J'étais producteur même d'artistes. Ah bon? Il y a DJ Yann Le Bombardier au Terminus 40, il y a Dizzy Wizzy qui s'appelle aujourd'hui Dizzy Freeman. Et j'ai ouvert même un studio d'enregistrement là où j'ai un ami même qui bossait. Actuellement, il n'est plus en Côte d'Ivoire, il est à Paris. Le studio d'enregistrement se situait aux deux plateaux Carrefour Makassi. Dans le bouquin, ton nom c'était Joël Sarkozy, c'est ça? Oui. Après, c'est devenu Monsieur Bonnia, mais désormais, c'est Dieu décide. Parce que j'ai donné ma vie à Dieu. Le passé, c'est le passé, hein. Bon, maintenant parlons un peu de l'actualité musicale. Bon, parmi vos singles, il y a un single particulièrement qui vous a révélé au grand public. Oui, Abidjan, c'est le titre. Fait le reste. Oui, le titre fait le reste. Voilà, fait le reste. Le titre fait le reste. Bon, fait le reste. Bon, c'est-à-dire que on a déjà fait quoi et puis il reste quelque chose à faire. Voilà. Fait le reste, c'est un titre qui nous a beaucoup fatigué parce que. Nous avons regardé un peu autour de nous, quand nous avons fait sortir le single Maman. Des personnes nous ont dit, mais les petits, vous chantez bien. On veut faire quelque chose pour vous. Bosser, de toutes les façons, essayer de rentrer encore au studio. Écrivez. Maintenant, quand vous allez écrire, vous rentrez, vous sortez maintenant. Nous, on va tout faire pour vous lancer. On a fait un autre titre avant ça. Un deuxième son des Mamans. Avant, fait le reste. Et on a fait Siablé, qui veut dire en langue baoulé, danser, venez danser, Am Siablé. Mais on a vu que toutes ces promesses n'étaient que des promesses en l'air. On ne comprenait rien. Donc, on a décidé de faire ce titre. Globalement, hein, vous qui nous avez promis, on a déjà fait notre part. À vous de faire. Ouais. Donc, et on essaie de camoufler un peu, voilà. On essaie de camoufler, on dit. J'ai tagué la petite go, elle me dit qu'elle est enjaillée. J'ai tagué la petite nana, elle me dit qu'elle est fan de moi. Bébé, donne-moi pour moi. C'était une manière de camoufler en disant que non, j'ai tagué la petite. Non, mais c'est pas ça. Ce sont les producteurs, les personnes qui ont promis de nous aider, les promis de nous faire quelque chose pour nous, qui nous aide, qui nous fasse ce que nous. Parce qu'une promesse, c'est une bête. En tout cas, on apprécie la mélodie que tu viens de faire. Ça, c'est vraiment les mélodies de Babi. Donc, si tu es d'accord, on va regarder un extrait du clip. Fais le reste. Tegan Music, baby. Force d'attaquer les mélodies de Papi. Sami piano. Papa Hilario. Recevez encore les mélodies de Barbie. C'est par de nos fausses de folie, mon ami. Cherche à travailler au lieu d'envier tes amis. On y va. Fais le reste,
C'était le clip Les Mélodieux de Babi sur le titre Fais le reste. J'espère que vous avez kiffé. Voilà. Ouais, on espère que vous avez kiffé. Yes, yes. Donc, on tend vers la fin de l'émission. Oui. La fameuse question de mise en situation. Oui. Voilà, donc, bon, comme ton collègue n'est pas là, on va supposer que c'est toi celle qui est dans la circonstance. Voilà, donc tu es invité dans une soirée bal masqué, c'est le thème de la soirée. Et puis c'est une soirée où justement quand on arrive là-bas, tout le monde est masqué. Et puis en fait, on s'en va là-bas pour faire l'amour avec des filles, mais dont on ne voit pas le visage parce qu'elles sont masquées. C'est quand on finit de faire l'amour qu'on découvre les visages. Oui, oui. En temps, là, quand tu étais à la maison, tu as dit à madame que tu t'en vas au studio pour enregistrer un nouveau morceau. Oui. Et puis finalement, tu te retrouves là-bas. Et puis au moment où justement les actions se passent, vous faites l'amour, tout ça. Maintenant, quand vous enlevez les masques, tu découvres que c'est ta femme avec qui tu as fait l'amour. Puis elle découvre que c'est avec toi, elle a fait l'amour. Donc, quelle est ta réaction? Parce qu'en même temps, parce que c'est une double situation. Oui. Parce que c'est comme si tu la trompes et puis elle te trompe. Oui, ah voilà. Donc, tu me demandes, oui, qu'est-ce que moi j'ai fait dans ouais, ce cas? Ouais, ma réaction. Ta réaction. Bon. Ce qui n'est pas difficile, ce qui n'est pas compliqué là. Faut pas compliqué. Moi il a menti. Oui. Ou bien, je t'ai laissé à la maison. Oui. Je pensais que j'allais rester à la maison. Tu m'as trafiqué aussi, tu es sorti. Oui. Bon, moi c'est un homme, j'ai une femme. Je suis croisé là-bas. C'est-à-dire, on fait comme si rien ne s'est passé, on ne sait pas. Ou bien, ouais. Parce que là, elle m'a trompé, moi elle est trompé. On découvre que c'est nous deux. Donc imaginons une seconde que c'était pas elle. Moi, elle avait trompé. Donc, imagine aussi que moi, c'était pas avec moi qu'elle faisait ça. Donc, faisait comment là? Ah, c'est ça le problème. C'était ni vu ni connu, non? Elle allait venir à la maison comme si rien ne s'était passé. Ah, donc, ça veut dire qu'après une telle situation, c'est ton voilà. Pied, mon pied. On est là. Tu es au studio, elle est au studio, elle est au marché. Voilà, on va mettre le point sur les lignes. On va reconnaître tous deux que. On s'est menti et nos mensonges nous ont rattrapés. Mm-hmm. Donc à partir de là, on va savoir comment marcher. Sinon, là, il n'y a pas de discours. Hein. C'est une situation de drame, c'est soyez nous dans ces voies face à face. Ouais, c'est pas faux. Elle ne peut, peut pas faire de discours. Donc, on est obligé de se calmer et puis gérer ça à la maison. Ouais, tout ouais. À fait. Donc, c'était la réaction de Joël le Mélodieux sur ouais. La question de mise en situation. Voilà un dernier mot pour tes fans, le nouveau public qui d'accord. Va te prendre en cours à travers cette interview. D'accord, d'accord. Bon, j'aimerais parler un peu, dire merci à tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui ont porté les Mélodieux de Babi, tous ceux qui nous suivent sur notre page Facebook, YouTube, Twitter. Vous savez, dans la vie, rien n'est facile. Tu ne vas pas voir quelqu'un aujourd'hui en train de faire la fondation de sa maison et tu vas lui dire que bon, est-ce que toi-même tu es courageux pour faire R plus 5? C'est petit à petit maintenant devant un checker. Donc ne nous voyez pas aujourd'hui dans nos débuts et puis dire qu'un jour est-ce que nous on pourra faire un concert ou bien est-ce qu'on pourra voyager à travers notre musique. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nom. Donc, suivez toujours le Mélodieux de Babi. Un jour, on verra. C'est Dieu qui décide. Toujours. Ciao, ciao. Yes, ça, et c'était l'émission. On parle de quoi? On parle de tout avec Joël le Mélodieux. Merci. Voilà, merci. Et on se retrouve prochainement pour le prochain numéro. Joël le Mélodieux. Ciao, ciao. Mais attends, on parle de quoi là? Bah, on parle de tout.